Hi, my name's Jimmy. I'm from Conglomerate Games, a video games company specializing in serious games. We made a game for children with cystic fibrosis, and that's how I met Fabio and met Breathing Games. Alors moi, c'est Aminata. Je suis conceptrice dans cet événement en 2D. Donc je fais tous les visuels de ce qu'un jeu vidéo peut demander. En tout cas, j'essaye durant cette période de faire ça. Je m'appelle Shanti Chronic et puis je suis étudiante de Game Art. Du coup, je crée des visuels pour le jeu vidéo et c'est exactement ce que je viens faire ici. C'est Game Jam. Je m'appelle Emmanuel, je suis doctorant en Suisse à Genève et là-bas, j'ai cofondé un projet qui s'appelle Locker. On fait de la cartographie des cycles, des évolutions, des particules fines. Notre but, c'est de pouvoir conseiller les gens sur comment connaître, mieux connaître cette pollution et comment l'éviter aussi. Je m'appelle Noam, j'ai 17 ans, je suis en terminale, terminale ES. Ben, je m'appelle Chloé, j'ai 16 ans, du coup je suis lycéenne et j'aime bien dessiner. Je suis une filière en rapport avec l'art. The main goal is to further develop and get feedback on two games, currently called Rise and Ecosim, one being a card game type situation game, and the other being more of a multiplayer experience. Ce que je fais ici, c'est que j'essaie de collaborer avec Breathing Games pour pouvoir inclure la mesure de pollution au projet et puis de voir comment aussi travailler sur des mécaniques de jeu. Voir aussi rencontrer des personnes, du personnel soignant, des personnes atteintes de COVID-19, de maladies pulmonaires, discuter avec eux de l'importance de la qualité de l'air, des dynamiques de jeu, de tout ce qu'on peut faire ensemble. Je trouve que c'est vraiment un événement très intéressant de partage, on s'en touchait par la cause. Je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Ce qui m'interpellait le plus, deux choses. Déjà, rencontrer des personnes qui travaillent dans la programmation, le jeu vidéo, ou même des fois la programmation d'appareils ou d'éléments. Aussi, le fait de pouvoir rencontrer des gens qui ont la même maladie que moi, c'est quand même assez sympa parce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas tendance des fois à pouvoir rencontrer des gens un peu comme nous pour ça, c'est quand même important. Et puis ça fait plaisir aussi de voir que on n'est pas tout seul et ça aide. Voilà, également aussi passer un bon moment. Ça m'a surpris le plus, c'est qu'il y avait autant de gens de différents endroits du monde qui y participaient. Je me suis dit, j'ai cru que ce serait surtout des gens qui viennent de la France et de la Suisse qui y participaient. Et du coup, ça m'a assez surpris qu'il y avait autant de gens de différents pays qui y participaient. Et ça m'a aussi surpris que c'était né à Montréal. Je croyais que c'était un projet qui originait de Genève. Du coup, voilà. Games can help people. I'm very interested in how games can help breathing conditions. Game Jam in Paris und Besançon, 2019. Danke vielmals. Ist super gewesen.